Voici connecté sur la fréquence un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures ? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons encore le Fossoyeur et son équipe de choc sur la capture d'une ghoul blême dans le quartier Cyrillan. Mais il y en avait plusieurs. Que va-t-il se passer ? Donc, flash forward. C'est le drame. C'est le drame, ah merde. Donc là, en fait, il va nous faire in media res. Vous êtes, la créature est dans le cul-de-sac. Elle vient de finir de bouffer la chèvre. Et elle vous regarde avec des yeux carnivores. C'est même plus, encore plus immédiatesse que ça. C'est-à-dire que, effectivement, tout le début du plan s'est passé comme prévu. Ça a tiré, l'alarme a sonné, vous avez commencé à fighter, elle était là, elle était piégée, tout ça. Sauf que, il y en avait deux autres. Ah ouais, ça je l'avais prévu. Et donc, en fait, c'est immédiatesse, mais donc il y a déjà eu un peu de bataille, il y a eu des flèches échangées, il y a eu du tir, il y a des trucs, donc... Vous êtes tous à moitié point de vie. Ouch. Et on va faire l'init de chacun. Ouh là 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 là. Donc toi, tu me donneras ton init. Ah, il faut que je tire mon init. Allez, tirons l'init. Je suis dans un magnifique 12 plus 2, 14 en init. 14, attends, je note ça. Alors disons que quand on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs créatures, disons que j'ai glissé un mot qui a pour but d'avoir titillé mon compagnon. Je l'ai regardé, donc Tanael, et je lui ai dit « On en a besoin que d'une seule, amuse-toi bien avec les deux autres. » ou lâche-toi sur les deux autres. » Tu vois, je lui ai dit un truc comme ça, histoire de le convaincre d'utiliser ses talents pyromaniaques particuliers. Eh ben dis donc, ils sont pas bons sur les G. Hein. J'ai 3 dés, il y en a un qui a fait des bons scores et pas deux fois de suite, quoi. Ok, c'est pas grave, donc ça c'est Naïs... Ça c'est Sextus. Et ça c'est Tanaer. Ok. Donc toi tu m'as dit combien ? 14. Donc effectivement, ça. Quand vous avez fait le plan, vous en avez vu qu'une qui était dans celle qui est secteur. Peut-être que c'était la même qu'avant ou autre. En tout cas, tu sais pas trop. Mais il y en avait deux autres qui étaient là. Et donc c'est parti en fight. Vous avez commencé les trucs. Donc il y avait un bola qui a déjà été lancé. Parce que vous étiez focalisé sur la première. Le filet, tout ça. Donc tout est au sol au milieu, les autres ghouls sont arrivés, ça a tapé de tous les côtés, donc tout le monde a pris un peu cher. Et donc il y a il y a ghoul 1, 2 et 3. La ghoul 1, c'est celle qui était autour de la chef, celle que vous avez visée en premier, et les deux autres qui sont arrivés, quoi. Mm-hmm. Donc en premier, c'est Naïs qui agit. Ok. Là, on est dans le milieu de l'action, il y a ce cadavre de chèvre au milieu, les restes de la caisse, puisque c'est toujours quelque part, elle était revenue dans la caisse où elle était, donc c'est dans ce secteur-là, de ce cul-de-sac, entre guillemets. Sextus est à l'entrée du boyau le plus éloigné, et en plus, il a pris bien cher, donc il est entré, mais il a un arc en main. Toi, t'es à côté de Tanaël, qui a l'épée sortie, et Naïs à côté de vous. Techniquement, moi, je suis pas au contact, hein. Je suis typiquement le type de gars qui est pas physiquement en contact. Donc, ce que je te propose pour m'aider, c'est que tu vas jouer Naïs. Et moi, je m'occupe de Tanaël et de Sextus et des ghouls. D'accord. Donc, c'est une guerrière. Elle est tout... Ghoul numéro 1, à qui on a envoyé les bolas et les filets, est-ce qu'elle est maîtrisée Elle n'est pas encore maîtrisée, mais
tu vois que bah, par rapport au dernier combat, elle est, c'est certainement celle qui est la plus abîmée, quoi. Elle n'est pas maîtrisée, c'est-à-dire qu'elle est toujours à risque de partir. Ouais. Ok. Allons-y alors. Donc qu'est-ce que tu fais faire à Anaïs, ouais. Je pense qu'elle va continuer à attaquer celle qui est le plus proche de s'évanouir, histoire de diminuer le nombre d'adversaires. D'accord. Donc elle va faire son attaque. Ouais. Et elle fait un magnifique 7 plus 5, 12. Ça touche. Donc elle va faire un D8 plus 3 assommants. Parce qu'elle essaye d'assommer celle-là. Et elle fait 8 assommants. Parfait. Donc tu vois qu'avec son épée longue, elle a bien maîtrisé le geste. Alors bien sûr, ça, il n'y a pas de sang qui gicle et tout. Ah oui, et si par contre, elle brille quand même parce que Tanel a dû s'approcher, elle a dû réussir à lui faire lumière dessus. Donc elle est bien illuminée. Oui, l'épée, elle a fait un beau mouvement, tu vois, sa maîtrise, malgré l'action qui s'est passée, tout ça, bien entaillée, bien plantée l'épée dedans, quoi. Mais elle est encore là. Ensuite, c'est Prenaïs, c'est la goule 2. Donc c'est, les deux sont entre Sextus et vous. En fait, en gros, il y a Sextus, les deux goules, vous et la goule 1, comme ça. Ok. Donc, je vais lancer un dé. Si c'est pair, elle se jette sur toi. Si c'est impair, c'est soit Tanel, soit sur Naïs. Parfait, donc c'est pas sur toi. Et c'est sur Tanel. Très bien. Donc tu vois qu'elle, avec ses membres et sa bouche, elle se jette sur lui. Ouh, poi, poi, poi. Et elle arrive à bien le saisir, Tanel. Dis donc, il va pas durer longtemps celui-là. Et donc elle fait... Donc avec sa bouche, elle arrache une bonne partie, en tout cas tu vois qu'elle plante ses crocs dans la gorge de Tanel et on ressort un morceau avec du sang qui gicle de ce côté-là. Ensuite c'est... Donc ça c'était elle. De 11. Après c'est toi. 14 t'as fait. Ouais. Donc c'est toi. Moi je vais attaquer l'autre, numéro 3. 3, numéro 3, ouais. Qui est comment? Elle est blessée elle aussi? Elle est aussi blessée. Elle a été touchée à plusieurs flèches en elle. Alors je fais un coup d'arbalète puisque je suis à distance. Allez, un petit coup d'arbalète à 15 plus 4, 19 de classe d'armure. Tu touches. Et donc ça fait un D6 plus 2, donc je fais 4 points de dégâts perforants. Très bien. Donc tu vois que ça se plante bien dedans. Et je dis à Tanael, alors le feu? Même pas capable? Donc ensuite c'est Sextus. Sextus va tirer une flèche, donc il va tirer sur celle que tu viens de tirer aussi, puisque elle est la plus proche pour lui. Ouh, il touche. Ok, donc lui aussi tu vois qu'il y a sa flèche se plante bien dans la goule. Malheureusement pas assez, c'est ça? Tu vois qu'elle chancelle sous le coup de sa flèche. Elle chancelle, mais elle a l'air d'être encore là. Ensuite c'est... Donc 3, c'est lui, 2 et 2, donc j'ai Tanael et bah, cette goule-là qui va agir. Et en fait, j'ai oublié de faire jouer la première. Ouais, je vais faire jouer maintenant. La première, qui est sur Naïs. Donc elle va taper Naïs. Non, ça touche pas. Tu vois que c'est avec ses mains, elle grippe, mais ça rip sur les sortes d'armure de Naïs. Mmh. Cool. Donc j'ai Tanael. Donc Tanael, il va faire... Puisqu'il est au contact avec l'autre. Donc tu vois ses mains se mettent à luire et du feu. Une sorte de flamme qui commence à sortir de ses mains. Tu vas me faire un jet, si c'est impair, t'es pas dans l'axe. Ouais, c'est ah, bon, parce qu'il me vise en plus. Non, ça fait un con en fait. De 4m50. Moi j'ai fait 2. Bon, c'est bon. Donc t'as pas le truc. Et en fait, oui, donc il y a un code. C'est bon, soit. Alors hop. Bah, elle est au contact. Donc, oui, elle... c'est avec bon. Un peu de chance, il peut toucher de même. Si c'est un con de 4m50. Non, parce qu'il y a un espace entre les deux. Donc tu vois que ses mains commencent à prendre du feu. Il y a des flammes sur le dessus. Et puis comme il était collé sur celle qui était à sa gorge, il a posé carrément les mains dessus, quoi. Et il a. Tu vois que la goule prend feu et d'un coup il y a un tas de cendres. Tu vois que c'est sur son visage. Un sourire est contrebalancé par la douleur. Donc celle-là, elle est plus là. Super. Donc, nouveau round, donc c'est Naïs. Ben Naïs qui va continuer à essayer d'assommer celle qu'elle a sur elle. Avec 4 plus 5, 9. Non, ça touche pas.
Elle va utiliser son second souffle. Mm-hmm. Non, son sursaut pour en recoller une autre. Vas-y. 18 plus 5, ça passe. 23. Allez, 1 des 8 plus 3. 10 10 pour assommer. Parfait. Donc tu vois que la coupe s'effondre. Non, tu sais pas si elle a assommé ou pas, mais en tout cas, ça s'arrête, quoi. Ok. Et ensuite, Nice se déplace et elle se met devant nous. Donc elle se met entre la dernière goule et Tanael et moi. Parfait. Prêt au fight. Pas au contact, mais prêt au fight. Donc la goule, ouais, qui va... C'était moi avant la deuxième goule. Ah oui. Vas-y. T'as, c'est chiant d'avoir des joueurs qui suivent les ordres d'initiative sans avoir les logiciels. Non, c'est tant mieux, c'est ça qui est bien. Parce que tu veux utiliser des trucs, en fait, comme j'avais pas testé avant, j'ai juste le logiciel, j'ai vu les trucs, mais en fait, j'ai pas testé. En 9 plus 4, 13. Je sais pas si ça passe. 13. C'est bon, 13, ça passe. Ouais. Ah, 13, ça passe. Allez. Un petit coup d'arbalète. Ah, 6 plus 2, 8, perforant. Ta-da-da-da. Tu vois que ta place passe dans son dos, parce qu'elle était tournée vers Sextus, qui avait tiré la dernière flèche, l'autre flèche avant. Et la flèche passe à travers elle et pouf, elle s'effondre. Ouais, bravo. Donc. Je demande à Inaïs de lui trancher la tête pour s'assurer qu'elle se relève pas. Celle qui est morte, hein, pas la nôtre. Ouais. Donc, Sextus et ça arrive et effectivement, on découpe la tête et juste pour être sûr sur le truc, tu vois, il est pas ils sont pas frénétiques, mais ils sont bien dans l'action, quoi. Tanel est mal, mais couvert de sang. Il faudrait essayer de le stabiliser, mais il tient, quoi. Tu vois qu'il y a du sang qui coule, il faut juste faire un peu de chasse pour. Ouais, on fera ça après avoir s'assurer d'avoir sécurisé la goule. Donc le but, c'est là maintenant aller mettre les chaînes et les menottes et tous les trucs sur la goule. Vous empaquetez ça. Ensuite, on l'attache avec des cordes en plus. Tu sais, on fait vraiment truc. Et ensuite, on va la porter sur le brancard. Parfait. Vous partez, vous vadrouillez dans le tunnel avec vos échos et tout ça. Vous arrivez au guet. Donc Isaac. Non, c'est pas Isaac. C'est qui qu'on a dit qui était au guet? Si, c'était Isaac. C'est Isaac. Ouais. Et je stabilise quand même Tanael. Hein. Je suis pas. Alors, vas-y, fais un petit jet de médecine. Evil, quoi. Je suis tenté de le laisser mourir, mais. Inconsciemment. T'as fait combien alors? J'ai fait 2 plus 3, 5. Ouf, bon. Je lui fais les trucs de base. Ouais, tu vois que tu poses le truc. Ouais, c'est rien, Tanael, c'est bon, c'est plus. C'était des petites veines, c'est rien, c'est pas grand chose. Au pire, tu prends un peu de feu, tu te cautérises toi-même. Ah ouais, c'est une bonne idée. Non, tu vois qu'il est pas si choqué que ça. Enfin, il est dans l'exaltation du combat et plutôt. Alors que maintenant les autres Sextus et Naïs sont revenus, tu vois, sobres, stoïques. D'ailleurs, tu vois qu'elle a. Naïs, malgré tout l'alcool qu'elle a vu, en tout cas, elle veut bien le tenir parce qu'elle était extrêmement à la maîtrise de son art. Vous arrivez avec Isaac. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est bon, c'est. Oula, vous avez pris des coups. Vous êtes tous un peu touchés, tout ça. Vous avez quand même pris. Vous avez pris cher, quoi. Malheureusement, elle est morte. On n'a pas réussi à la capturer. Ah, bon. C'est pas grave, au moins on a débarrassé, on protège le quartier, c'est ce qu'il faut. Super, c'est je vais pouvoir. C'est ça. Je vais pouvoir le rédiger, il faut voir que sûrement qu'ils viennent la voir. Hein, Ben non, bon, t'as ramené une tête. Donc j'avais pris la tête de la dernière goule qu'il a détachée, c'est pour ça que j'avais demandé à Naïs de la découper. Bah, allez, tu vois qu'il touche. Elle tombe par terre, le truc et tout. Non, mais je l'ai mis dans un sac. Non, je l'ai mis dans un sac, je suis pas un enfoiré non plus. Donc je l'ai mis dans un sac, je l'ai tiré. Regarde, tu l'as ta preuve qu'elle a été tuée. Parce que Isaac est pas au courant qu'il y en avait plusieurs. Puisque ben là, non, effectivement. Ouais. Donc je lui ai montré. Une qui l'attendait, quoi. Donc je dis, tu peux aller le rapporter, ça y est, on en a débarrassé. Et j'espère qu'il y aura une récompense, d'ailleurs. Bah, t'as été envoyé pour... en tout cas, c'est super, parfait. Je vous remercie. Allez, vas-y, go. Super. Bon, tu vois qu'il part, il trottine et il va se dire, ouais, ça y est, on a fait le truc. Parfait, tu penses qu'il va être... Il va pas se vanter, forcément, parce que c'est pas trop son style, mais il va être très content de dire que vous avez solutionné le problème et... Non, je vais lui dire qu'il faut qu'il dise absolument qu'il a été... un élément contributeur majeur pour qu'il mérite sa promotion. Il est hors de question qu'il braque pas. Non, il faut qu'il. Tu peux qu'il faire un jet d'intelligence. Un save d'intelligence. Un save d'intelligence, ouais. D'accord. Ouf, et ben c'est pas bien. C'est 7. Alors c'est pas un save. Enfin, c'est juste un jet d'intelligence ou ta compétence d'intelligence, quoi. Pardon. C'est juste. Ah, ok. Ah ben c'est encore moins bien. Ok, bon bah. Ok. Ça fait 5. D'accord, donc tu as dit ça, ok.
Très bien. Je note tout ça. Donc il est parti, assez radieux. Donc vous êtes en pleine nuit, hein, par contre. Hein. Donc vous avez le brancard, vous allez faire quoi alors? Et ben là, à côté de, à la sortie de l'égout qui est juste à côté de l'auberge, ben il y a la carriole qui nous attend. Donc on charge le brancard dans la carriole. Naïs, elle demande à la carriole pour tabasser le gars, pour faire simple. Sextus, eh ben on lui dit au revoir. Et Tanel conduit, et moi je suis avec Naïs dans la carriole, parce que là, on va commencer à préparer le cercueil, les sceller. Et le temps qu'on arrive jusqu'au pont, qui est pas très loin non plus. Si, en fait, l'image est trompeuse, c'est assez grand, c'est des grands quartiers quand même. Ok, donc faites ça. Vous arrivez au pont, vous avez les gardes qui viennent regarder les documents que t'as produits. Donc je suis pas dans le, je suis pas de, je sors hein. Donc une fois de plus, Alors, le plan ouais. c'était juste avant d'arriver au pont, elle recolle un coup dans la gueule histoire que la créature se réveille pas. On scelle le truc et là moi je sors et je me mets devant avec Tanel. Et puis quand on arrive au pont, ben on montre tous les deux nos cartes d'étudiants et les papiers pour aller en direction de la nécropole. Ok. Donc tu vois que le garde, ils sont plusieurs, et celui qui prend le papier, qui regarde, il a l'air attentif et tout ça. Vous avez du monde cette nuit? Non, justement, c'est pourquoi vous voulez passer cette nuit, c'est un peu bizarre la nuit là. Faites voir ça, tu vois qu'il s'approche de votre cercueil pour garder les scellés et tout ça. Sur le papier, il y a écrit, comme c'est moi qui ai fait le faux, Ouais. j'ai bien écrit urgent à faire aussi rapidement que possible. Donc je lui dis, eh ben, tout simplement parce que c'est une demande urgente et on fait ce qu'il nous a demandé. Mais dans le quartier, tu connais tous le nom du fossoyeur. Oui, bah, tous ceux qui me connaissent, ouais. Ouais, comme tu travailles avec le coroner quand même. Mais pourquoi vous, le fossoyeur, vous vous occupez de ça? C'est quand même vachement tard, hein. Ah, vous savez quoi? Ça paye pas de toute façon, ailleurs. Donc, Ah, ouais. avoir un peu plus d'argent, c'est toujours bien. Fais-moi un petit jet de Tromperie. tromperie. Ouais, Vas-y. ça change rien pour moi parce que je suis très nul aux deux, mais. Là, je lui mens et honteusement quand même. Hein. Fais avec avantage parce que comme il y a tout ton bénéfice du prestige, t'as un avantage. Allez. Ils t'ont reconnu en Alors fait, avec comme ça. Ils... avantage, ça fait 17 plus 2, 19. Ah ouais, Oh, c'est très bien bon. avec Ok, l'avantage. donc tu vois que le truc est... Ok, allez, passez, allez-y. Alors faites vite votre soirée et puis vous pouvez essayer de vous reposer, monsieur le fossoyeur. Allez, bonne soirée et puis ben on y va. Cataclop, 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 clop, clop, Clope. cataclop, tac, Donc là, tac, tac. vous avez passé la passerelle, effectivement, vous arrivez sur les terrasses, en fait, et vous Donc enchaînez donc. régulièrement, je demande à Anaïs si qu'elle s'assure que la créature bouge pas, quoi. Et donc, il faut rouvrir la scellée, non? Parce qu'après, vous allez entendre si ça Oui, gratte ou non, mais autre. non, c'est ça, on rouvre les scellés. Ben on les D'accord. casse pas non plus, mais on les casse, mais on fait pas en sorte que ce soit super visible. Au pire, on pourra refermer le couvercle et dans la nuit, avec un peu de chance, ça se verra pas bien. Mais oui, il D'accord. faut s'assurer que la créature, elle bouge pas. C'est le plus important. Donc vous enchaînez donc après votre terrasse du quartier Cyrilan, c'est la terrasse donc du palais, donc c'est une zone un peu donc là effectivement c'est assez chic et il n'y a pas trop de monde parce que c'est quand même la nuit. Il y a quelques patrouilles, mais pas de trucs particuliers. Vous arrivez après la terrasse suivante, la terrasse des dragons. Et donc vous arrivez après sur les quais, en étant tranquillement, sans avoir été vraiment confronté à quoi que ce soit. Et donc tu arrives au point de rendez-vous avec votre passeur, Stick Abouter, et la jeune fille. Capitaine, permission d'embarquer. Ah, ça faisait longtemps, avec plaisir. Donc là, vous transportez un cercueil? Dis donc, les affaires sont bizarres, hein. Allez, je vous aide. Donc tu vois qu'il met la embarque comme il faut, avec Vira. Je lui glisse dans l'oreille, capitaine. Il n'y a pas de mort dans le cercueil, hein. C'est juste une façon de rester discret. Et là, je sors une bouteille de ma poche que j'avais prévue. Et je fais, il y en a plusieurs à l'intérieur. Mais celle-là, elle est pour vous, je l'ai gardée pour vous. Merci. De toute façon, c'est vos affaires. Moi, je transporte. Moi aussi. Question, est-ce que Naïs continue avec vous ou elle s'arrête là?
Et ben, ça dépend quand. On a dû avoir parlé de tarif à un moment ou à un autre. Donc, si son tarif est raisonnable et si mon magistère a été attentif à ma demande, je préférerais. Ok. Mais si par contre ça a été. Ceci dit, comme je suis un peu paranoïaque, pour être honnête, pas beaucoup, mais un peu, je me suis dit qu'on est quand même pas à l'abri de se faire embusquer ou de se faire attaquer, donc ouais, j'aurais pu essayer de la convaincre de rester avec nous. D'accord. Quitte à essayer de négocier son tarif à la baisse, mais avoir quelqu'un qui sait se battre avec nous, c'est mieux. Ok, donc vous, dans ce cas, vous accompagnez, vous chargez, donc il n'y a que vous sur le Aster là, à ce moment-là, en tout cas, dans le passeur, vous arrivez de l'autre côté. Il y a Miss Soulpont qui vous attend. Donc pareil, dans ce cas-là, par contre là, il faut reprendre une carriole ou un truc comme ça. Ou... Ouais, pas mais une carriole, ça... mais un truc, une sorte de, pas de boîte, mais une sorte de machin à roue, quoi, qui permet ouais. de... Ben là, j'imagine que Miss Soulpont, elle s'est arrangée tout ça, ça faisait partie du deal, quoi. Ouais, mais elle savait pas trop ce que t'allais amener en taille. Donc, elle propose d'embaucher des trois petits bras là pour porter avec, tout ça, ça va. Est-ce que je les reconnais? Ou est-ce qu'il porte un signe distinctif, c'est le tatouage de machin ou... Tu vois quelque chose qui pourrait mettre. Ok, ce que tu vois, c'est que là, elle a fait des. Quand après vous êtes débarqué, il y avait des gens qui sont toujours à l'attente de boulot, elle a été les voir, des trucs comme ça, sans truc. Donc, fais-moi un petit jet d'investigation. Ouais, juste histoire de. Ah ouais. 5 plus 5, 10. Bah, t'as l'impression qu'elle a été chercher les premiers qui étaient dispo dans le secteur, quoi. Donc même elle a pas fait attention que ce soit des gens de confiance. C'est pas son style, hein, Miss Lepan. Et ceci dit, je lui fais confiance à elle, donc oui, pas de problème. Prenez 3 gars pour porter la boîte. Ça fait remonter. Donc voilà, donc vous rentrez dans le quartier. Par contre, je dis à Anaïs de rester à côté, et elle, son rôle, c'est... ben là, elle va plus ouvrir la boîte pour s'assurer que le truc, il bouge plus. Mais son but, c'est nous protéger si on se fait attaquer ou d'une façon ou d'une autre. Donc là, vous naviguez dans le quartier de la soif avec la Miss qui vous guide. Et puis, en fait, elle dit, tu vas voir, ça va te plaire. Elle t'appelle Arthur, non, Fossoyeur aussi. Ça va te plaire, Fossoyeur. Tous mes amis veulent Fossoyeur. Ok, ça va te plaire, Fossoyeur. Et en fait, vous arrivez dans une section du quartier de la soif, parce qu'il y avait une partie nécropole, en fait, à l'origine aussi. Et donc, c'est dans le quartier un peu nécropole de cet endroit-là. Il y a différentes, je sais pas, petites zones, ou petites grottes, ou caves. Et donc, en fait, elle t'amène dans un endroit qui est une sorte de, ouais, de cave un peu isolée avec des restes de nécropole, donc ça a des ossuaires et des choses comme ça. Mais ça a été un peu fermé parce que ça a dû s'ébouler sur un coin et donc finalement, ça fait une sorte de petite cave un peu tranquille. Il n'y a pas vraiment de porte, mais comme tu as dit que tu voulais quand même donner un travail à la. Elle s'est débrouillée pour faire mettre une sorte de rideau, un truc comme ça, quoi. Donc c'est un peu excentré, il n'y a pas vraiment de roue ou tout autre. Et donc elle a dit en fait qu'elle a négocié avec le taudis de la soif, et donc ils assureront le fait que personne ne vienne, hein, en payant à la semaine. Personne ne viendra dans ce truc-là, quoi. Et puis voilà, c'est éloigné de tout. Si ça fait du bruit, si ça couine, si ça machin, ça ne serait pas dérangé, quoi. Alors, on entend toujours. Et si ça fait du gros bruit, je lui pose des questions. Tant que ça fait pas s'effondrer notre quartier, c'est pas grave. Et est-ce qu'il y a des chaînes au mur? Est-ce qu'il y a des trucs? Ouais, il y a des chaînes au mur, des trucs comme ça. Il y a des. Par contre, il y a aucun mobilier ou rien pour l'instant. Il y a juste des chaînes qui devaient être de l'époque avec certains trucs pour tenir les ossuaires, peut-être que ça tenait des vases qui servaient à porter des lanternes. Je sais pas trop quoi, mais donc voilà, c'est un truc comme ça. Le sol comparé à certains endroits, c'est pas la craie, enfin le calcaire grasé, ça a été un peu taillé, un peu pavé, un peu voilà, c'était un peu travaillé, quoi. Et en fait, dès que vous êtes arrivé là, les autres personnes là, qui portaient sont parties. Donc là, il y a juste vous, la caisse et Miss Soulpont, quoi. Ok. Je conseille à Miss Soulpont de pas rentrer. Je dis, il y a des choses qui vaut mieux ne pas être au courant. Miss Soulpont. Ne pas rentrer. De pas rentrer avec nous au moment où on va ouvrir la caisse. Donc ah je oui, dis que je lui conseille que... Ah, ensuite, je lui laisse, si elle veut savoir, qu'elle sache... Non, mais c'est tes affaires, il n'y a pas de problème. Il faut qu'elle sache que ça risque de la mettre en danger et que c'est pas forcément super pertinent. Non. Parce que je l'aime bien en plus, donc je la préviens. Il est déjà tard, je préfère rentrer. Tant que tu payes ce qu'il faut à la semaine pour le truc, moi, c'est tes affaires. Avec grand plaisir de travailler avec toi, Fossoyeur. Mais dans ce cas-là, non, j'y vais. Oui, très bien.
Bonne nuit, Monsieur Lupin. Bonne À nuit. bientôt. À bientôt. Et puis tu vois qu'elle elle s'approche d'Anna et fait « T'es mignon, toi. » Et puis elle part. En trottinant. Et t'as dit « Mignon, vous avez Le gars, il de pisse le sang. pas mal de Il pisse le sang. fréquentations. » Ben non, il pisse plus. Ça, c'est un peu épongé, tout ça. Mais ouais. Et tu vois qu'il est un peu étonné quand même. Tout le truc. Ben, ça fait quand même qu'un jour et quelques après que vous êtes en binôme. Alors là, Ah qu'est-ce que ouais, vous pas mal faites? pour un vieux, hein. T'as dit que j'étais vieux? Mais ben, quand on est vieux, on a de l'expérience. Donc qu'est-ce que là vous faites? Ben, on fait la dernière chose à faire avec Naïs. Donc j'ai besoin de Naïs pour nous aider à sortir la créature et à l'attacher. Sortir la créature, lui donner encore un coup dans la gueule, histoire qu'elle se réveille pas. Et l'attacher bien, pieds et poings, bien vérifier et tout machin. D'accord. Donc là vous êtes en train de vous occuper de la caisse quand vous entendez une sorte de voix nasillarde derrière vous. Daniel était assis dans un coin en attendant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a ici? On a. Et donc tu. Je sais pas si tu te retournes ou autre, vous voyez Bah ouais. trois gars. Donc deux qui très très ressemblants l'un avec l'autre quoi habillés en tunique et chausses assez gras costaud quoi entre costaud et gras quoi bien taillés charpentés quand même mais tu vois qui doivent se laisser aller quoi et puis celui qui a une voix nasillarde là un petit visage très très rougeau avec cette voix nasillarde là qui lui est habillé un peu plus, je vais dire, avec des restes de vêtements, mais que ça fait un peu comme si c'était habité en cuir quoi, avec tu vois un peu ou cuir bouilli, un truc comme ça quoi, un truc un peu plus stressé, et puis une sorte de couteau à la au côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on a payé sa taxe pour venir? Hein? Moi j'entends pas, j'ai pas entendu. Alors Je me monsieur retourne, je dame. fais « Bonsoir messieurs, vous n'avez rien à faire ici? Allez-vous-en. Eh, hey, les gars, vous avez vu ce qu'il m'a dit? Vous avez vu ce qu'il m'a dit? Donc là, tu vois qu'il sort son petit couteau. Non, mais ça va pas se passer comme ça, les enfants. Il faut payer sa taxe, là. On vient sur notre territoire. Alors? » Je regarde Naïs, je fais « Naïs, est-ce que tu pourrais escorter ces messieurs dehors? » Donc Naïs qui a une grosse épée longue et un gros bouclier et une grosse armure. Ça me ferait très plaisir. Donc tu vois qu'elle a un petit Messieurs, sourire. il est inutile d'avoir un peu de violence gratuite. Vous n'avez rien à faire ici. Vous venez de vous mêler des choses qui ne vous concernent pas du tout. Soit vous tournez l'œil, vous rentrez chez vous et vous avez rien vu. Soit malheureusement, nous serons en désaccord. Et bien évidemment, nul n'aime être en désaccord avec les autres. Alors vous êtes peut-être des petites frappes du quartier. Je vous respecte pour ce point-là. Mais ici, vous n'avez rien à faire. Est-ce que c'est clair? Donc fais-moi un jet de De que je suis pas compétent. Vas-y. persuasion Ouh, avec 19 plus 2, avantage en plus. 21. Bon bah tu vois, Alors, tu veux que j'essaye 21. l'autre, à moins que tu fasses un Vas-y. 20? Ah ben 20! Fait Donc critique. avec la présence de Naïs qui s'était avancée et en faisant jouer un peu son corps et montrant l'épée et tout ça, tu vois que le petit gars qui parle avec sa voix nasillarde là, il fait. Ouais, vous avez de la chance. Je suis de bonne humeur aussi. Allez, c'est votre première journée ici, je vous laisse, mais je repasserai, hein. Ouais, on va pas. Vous êtes qui Allez, d'ailleurs? hein? Donnez-moi votre nom. Allez, les gars, on reviendra plus tard. Tu vois, ils partent, mais ils tournent pas le dos, quoi. Et ils reculent et hop, ils disparaissent. Ben je les suis jusqu'au pas de la porte et je regarde où ils Ok. vont. Tu vois, j'ai Bah, tu vois les yeux comme qui. ça, tu sais, les bras en croix, en l'air Ouais. devant l'entrée et je les regarde. Bah tu vois qu'ils prennent Histoire, pour tu sais, quand je le regarde, tu sais, je vais les deux yeux là comme ça. Je vous vois. Bah tu vois qu'ils tournent pas le dos tout de suite et puis dès qu'ils peuvent ils sont à scène qui tournent le dos hop tu vois qu'ils se mettent un peu à détaler quoi. Ok. Et Putain, on va avoir des fais-moi t'as le droit problèmes. de me faire un jet de est-ce que c'est perception? Ou insight, Ouais perception. Ouais perception. c'est peut-être plutôt ouais je sais pas si Non, c'est de toute façon, ça change rien pour moi. Donc, ok perception perception. ou intuition, c'est la même chose. 15 plus 3, 18. Ok. Il y avait un truc que tu as remarqué, en fait, déjà quand ils t'ont parlé et qu'ils sont partis après.
les membres du taudis d'assoiff, donc la bande avec qui vous avez payé, ils ont toujours un bandana ou une sorte de tissu au bras d'une couleur un peu rougeâtre, en suivant si c'est frais ou sale, quoi. Eux, ils n'avaient pas ça. Ouais, ce que je me dis, c'était soit d'autres tops, soit c'est des gars locaux. Il va falloir que je demande à Miss Loupon qu'elle informe. Parce que si je paye pour le lieu, je paye aussi pour le débarrassage des intrus. Ok? Ok. Donc j'aimerais, en partant, je trouver un moyen de faire passer un message à Miss Loupon pour qu'elle remonte ça au top. J'imagine que j'ai pas accès au top directement, c'est pas avec eux que je deal directement, je deal avec elle. Bah là t'es passé par Missoupon, après tu peux voir si tu veux dealer avec eux directement, tu pourras le faire aussi, hein, c'est un choix après. Non, non, ça m'intéresse pas. Non, j'ai confiance à Miss Loupon, donc je fais passer le message que tel machin, tel trois gars, machin, voix petite voix nasillarde, de grands gars baraqués qui portent pas, qui sont pas affiliés, que ça je peux confirmer. Pense être capable de faire la loi dans le truc et qu'il risque de revenir et poser des problèmes. Donc voilà pour la séance et après on fera le reste. Et on finit la séance sur. On est de retour dans le quartier. Ah non, vous n'avez pas fini parce que qu'est-ce Cyrilan? que vous allez faire après? Vous êtes en train d'ouvrir la caisse, l'attacher. On va considérer que ouais, elle était encore KO, donc vous avez pu l'attacher. Qu'est-ce que On part? tu mets quelque chose sur sa bouche, tu machins, tu. Ben non, c'est pour ça. J'ai bien posé la question, pourquoi. Ah oui, pour faire du cri et Pourquoi. du bruit, oui, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, donc en fait, on repart, on retourne au quartier Cyrilan et j'invite. Je paye le repas. D'accord. Au gros petit déjeuner, parce que là, à mon avis, elle a vu l'heure, ça Oui, doit là, être. c'est la soupe à l'oignon, quoi, locale, quoi. Voilà, ben voilà, ça c'est la soupe à l'oignon Cyrilan. Allez, Ouais. alors un peu de soupe à l'oignon, avec un petit peu de bière. Cyrilan. Tout ça à la mode Cyrilan. Et avec, voilà, c'est ça. Avec des navets. Le fossoyeur a trouvé sa goule et a réussi à la mettre en sécurité dans le quartier d'Assoiff. Est-ce que tout cela peut être aussi simple? Que va-t-il faire ensuite? Pour découvrir si les actions du fossoyeur ont eu un impact sur les chamboulements en cours dans la Cité Franche, préparez-vous à la suite de ces aventures. Et pour cela, abonnez-vous pour être notifié de leur mise à disposition. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou notre site web, un duo rôliste. Attaché.net. Cet épisode termine notre quatrième saison et la découverte de l'univers d'Eanna, de Dragon, par le studio Agathe. Nous espérons que cela vous a plu, comme à nous. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci. Bon jeu!